bien, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Marius et je suis pas tout seul, je suis avec Benjamin. Explique-nous un petit peu où est-ce qu'on se trouve là maintenant. On est sur l'étang de Vendre, ça se situe on va dire grosso modo entre Narbonne et Montpellier. Ouais, donc bien voilà. Dans le sud, on n'est pas très loin de la mer Méditerranée pour vous situer si vous connaissez pas trop. Il y a une grosse zone en eau au milieu et puis en fait la chasse est possible en fait dans tous les marécages autour. Et donc comme vous voyez là on est au milieu des roseaux et on vient d'arriver au bord de la flaque là où on va chasser, la tonne est juste derrière. Donc voilà, on chasse entre guillemets dans un trou dans les roseaux et puis on va rejoindre Jean-Louis qui lui a déjà attelé, donc voilà, on le rejoint et puis bah, on va passer la nuit, on va croiser les doigts et puis bah nous on se retrouve tout de suite dès qu'il y a un peu plus d'action et pour vous faire partager tout ça. Allez, à tout de suite. Salut. On va se poser là, en grande majorité là ou là. On pose beaucoup là, derrière le paquet de gros, le paquet, de plastique, ouais. De gros, et la ligne là, on pose beaucoup là. Tout ce qu'on tire, ça ne va jamais, hein. Donc, 25, 30 mètres, là, en bout de ligne, tu as 30 mètres, là. Okay. Donc on tire la distance. Hein. Alors qu'est-ce qu'on mange? Alors écoute, ce soir c'est aligo. L'aligo? L'aligo. Tu connais l'aligo? Je ne connais pas l'aligo, non. Mais tu pourras plus le dire, Marius. C'est vrai. Apparemment, l'aligo, c'est un plat quand même assez typique d'ici. Et de ce que me disait Benjamin, c'est une sorte de purée avec du fromage. Oh là, donc c'est, voilà. Ça m'a l'air pas trop mal, donc on va goûter ça. Et avec ça, on va manger un civet de lièvre. Je pense pas que ça va être trop mauvais. Je vais te le montrer, le civet. Ah oui? Cuisiné par ma Manou. Ah, ça va être bon. C'est pas beau, ça? La nuit tombe et l'attente commence. Et vers 1h45 du matin, surprise, c'est posé. Ouais, aligne à la 2 à droite, on va les prendre. Prends celui de droite, Jean-Louis. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Oui. Allez, 1, 2. Celle du fond, remettez une cartouche, celle du fond, celle que t'as tirée, Jean-Louis. Voilà. Sarcelles, je pense. De sarcelles. Ouais, on en avait trois, mais la canne, elle a fait envoler la troisième. C'est pas grave, sur trois, on va pas se plaindre quand même. Bah, non. Petite sarcelle. Voilà. Pas capot. Mais pas capot, Marius. Des sarcelles d'hiver. Elles sont belles, franchement. Ouais. On est en ronde. Le reste de la nuit fut calme, mais au petit matin, on est de nouveau récompensé. On va rester longtemps. Attends, je laisse celui devant moi. Tu viens? Il est le deuxième. Il est reparti, je l'ai vu. Allez, tire-le celui-là. Celui devant, vous le tirez ou pas? Ouais, tire-le, Benjamin. Je le tire, moi, ou quoi? Attends, je la vois, vas-y, t'es prêt? Allez. 2. Celle de devant, elle est morte? Moi aussi. L'autre, je sais pas où elle est passée, l'autre. Allez, alors, ouais. Tu la vois, l'autre, hein? Bien joué, les gars. Elle est reposée, l'autre, ou quoi? Laquelle? Il y en avait deux. Ah oui, mais les deux sont mortes. Je l'ai tuée. Ah, mais toi, t'as tiré de ton côté, là-bas. Eh ouais. Oui. Ah, d'accord. Toi Jean-Louis, t'as tué celle de devant, et Benjamin, il a tué celle de la gauche. Je l'ai trouvé, mec.
Hey, quand même, on l'a dit. Salut tout le monde. On vient de rentrer de la chasse. Et là, on a nos 4 belles sarcelles qu'on a tuées avec Jean-Louis. On va se les préparer. On va se les manger directement pour ce midi. Avec ces 4 sarcelles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les plumer sur les flancs, sur la base des ailes et les cuisses. Et donc ensuite, on va récupérer le filet avec la cuisse attachée par la peau. Et ensuite, avec ça, on se les mangera à la poêle. Et c'est nickel pour manger ça le midi, comme ça, moi j'adore. Et puis bah voilà. C'est super bon les sarcelles, non? Pour moi, c'est le meilleur canard. Ah ouais, je suis bien d'accord. C'est vrai que c'est un des meilleurs canards, les moins forts, les plus fins. C'est un délice. Et nous, on va pas se faire prier pour s'en régaler, je peux vous le dire. C'est parti, on va plumer ça? Allez. Zou. Donc, pour résumer, comme je vous l'ai expliqué, en fait, on va donc plumer tous les flancs. On va plumer également autour des cuisses. Et donc, ensuite, on va récupérer chaque filet attaché par la peau avec la cuisse. Voilà. Ça peut paraître un peu complexe comme ça à dire, mais c'est très facile. Et moi, j'adore les manger comme ça parce que la peau est très très bonne cuite. Et donc voilà, on va faire ça. Donc là, première opération, c'est tout plumer. Allez, on se retrouve quand ce sera fait. Et donc voilà, les sarcelles qu'on a fini de plumer. Donc comme je vous l'ai dit, on a plumé l'entièreté des flancs avec les cuisses. Voilà. Et donc maintenant, on va les découper pour pouvoir les manger après. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour la découpe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges les sarcelles? Tu manges les plumes? Tu manges les plumes des sarcelles, lui? Oh là, ça chasse la mouche, là? La guêpe. La guêpe. Comment on dit guêpe en patois sudiste? J'en sais rien. Je sais pas. À découpe? On part à la découpe? Allez, c'est parti. Donc là, on suit bien l'os du bréchet pour enlever en fait le filet, quoi, tout simplement. L'idée, c'est de prendre quand même un maximum de peau. Donc vous voyez, je redescends jusqu'à la base du cou pour prendre un peu la peau du cou. Je décolle bien avec mon doigt la viande du filet, donc vous voyez, j'ai rien laissé. Ensuite, on va décoller le filet à l'avant, là, comme ça, ici. Il y a un petit os un petit peu en V. Ensuite, on passe la lame sous cette petite os pour perdre un minimum de viande, donc voilà, comme ça. Et ensuite, on descend, donc vous voyez, là, j'ai quasiment rien laissé. Ensuite, eh ben, en fait, on a juste à suivre l'os pour enlever tout le filet. Donc on fait bien attention à ne pas couper la peau, et il faut en prendre un maximum. Voilà. Voilà, hop, donc là on suit, on a juste à suivre, et donc là on va arriver ensuite à la cuisse. Donc là on coupe pas la peau ici, on va descendre le long de la cuisse, donc comme pour détacher la cuisse en fait. Donc là je la désaxe, je vais sortir l'articulation, et puis je coupe, hop, hop là, voilà, là j'ai coupé ma cuisse. Et donc ensuite bah, on a juste à suivre la peau le long du filet, comme ça, donc on laisse l'aile, on va pas prendre l'aile, donc là je coupe juste derrière l'aile. Et donc ensuite on a juste à finir comme ça. Hop. Et voilà. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc vous voyez, j'ai laissé très peu de viande sur le premier filet. Ben, on fait la même opération de l'autre côté. Et voilà. Hop. Maintenant à table. Pour la cuisson, rien de difficile. Une poêle bien chaude, un peu d'huile et du beurre. Vous assaisonnez la viande à votre goût et vous la placez côté peau dans la poêle. Après quelques minutes, la peau commence à griller et vous retournez les filets. Attention à ne pas trop faire cuire la viande, les filets de sarcelles restent fins et cuisent assez vite. Ça c'est beau hein. C'est très bon surtout. Mais c'est très beau aussi. Alors ça Marius, c'est l'incontournable. Qu'est-ce que tu vas faire? Les pâtes dans le jus. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront, mais si tu fais pas ça, c'est que t'as rien compris. Regardez comme c'est beau ça. Ça va être bon ça je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses Vinzi? Je pense qu'on est pas mal. Bah allez, vas-y, sers-toi. Je te laisse l'honneur. Non. Ah, tu me laisses l'honneur? Ah, allez, je te laisse l'honneur. Normalement c'est des valeurs sûres, c'est juste. C'est... Ah là, je me pose même pas la question. Je vais pas me faire replier. Et avec ça on a fait des petites pâtes, on a rissolé dans le jus de cuisson. Dingue. Une pépite. Donc c'est simple, c'est voilà, c'est basique, mais on aime les choses simples. C'est souvent les plus efficaces. Je t'en remercie. Pas mourir de faim aussi. Hein.
Allez, c'est parti. Donc il y a la peau avec la graisse. On voit que les filets sont bien cuits, juste ce qu'il faut, encore un peu tendre. Et ben maintenant, dégustation. Qu'est-ce que c'est bon. Les pâtes sont pareilles. On va mettre un petit peu de sel dessus, petite fleur de sel là, avec une petite fleur de sel par-dessus, c'est encore meilleur. Et puis voilà. C'est vraiment bon comme ça. Oh, c'est bon, c'est une manouille. Hein. C'est vrai qu'on là, on réalise la chance qu'on a de chasser quand même. Pour pouvoir manger ça, je vous le dis, c'est pas dans le commerce que vous allez trouver des choses comme ça. N'est-ce pas? Entièrement d'accord. Et bien sur ces belles paroles, nous on va se quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à toi Ben pour cette super opportunité. On a bien rigolé, on a passé des bons moments, c'est le principal, et puis on mange bien à la fin. On se revoit très vite pour de prochaines vidéos, et puis bah je vous fais des bisous. Allez tous tout le monde.